Bonjour, je m'appelle Nathalie, c'est ma première vidéo. Mon but, c'est de faire des recettes pour enfants pour qu'ils puissent manger un peu de tout. Ma recette du jour, c'est des croquettes au chou de Bruxelles. On va passer aux ingrédients maintenant. Pour faire les croquettes, il nous faut 4 pommes de terre, 12 petits choux de Bruxelles, un petit peu de carottes, 3 petites tomates, une petite feuille de laitue, du ketchup, la chapelure, de la farine, un petit fromage, un œuf et des moules. On va passer à la cuisson des légumes. Vapeur. Voilà, 20 minutes de cuisson. On écrase bien le tout et on rajoute le petit fromage et une cuillère de ketchup. Donc on rajoute une cuillère à soupe de ketchup et un petit fromage et on mélange le tout. Voilà, j'ai rempli mes moules et maintenant ça va aller 3 heures au congélateur. Voilà, maintenant on va passer au démoulage de la croquette. Voilà mon petit nounours. Voilà mon petit nounours. Voilà. Les petits. Voilà. Alors, bien fariné, c'est important. Alors, passer dans l'œuf. Pareil. Voilà. Naturellement, quand c'est des formes, c'est toujours un peu plus compliqué. Maintenant, la croquette, vous pouvez la faire toute seule. Bon, comme c'est pour un enfant, c'est toujours bien. Voilà, un petit peu. Voilà. La chapelure. Il est bien pané. C'est à la cuisson. Voilà, il faut que l'huile soit bien chaud. Hein. Et voilà le résultat final. Bon appétit, mes petits loups!